C'est avec un peu plaisir que je prends la parole dans l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'École nationale Jean-Baptiste Duty Bookman dans le journée 17 mai, qui s'est fait tout professeur. Une profession qui permet le renouvellement de connaissances faites dans une société, qui prépare les gens qui peuvent faire la société du grand demain. Je profite de tout professeur bonne fête, spécialement si là qui travaille dans l'École nationale Jean-Baptiste Duty Bookman. Je rappelle nous que Jean-Baptiste Duty Bookman, c'était un gros poteau garçon qui a joué un rôle très important dans la bataille pour la libération des haïtien. Compatriotes, depuis la création du Fonds national d'éducation FNE, dans l'année 2017, après qu'il a commencé à fonctionner dans l'année 2019, l'État haïtien a réalisé un pile travail pour permettre plus de monde arriver à l'école. Tout territoire national. L'École nationale Jean-Baptiste Duty Bookman s'est emmenée dans l'année 2019. L'école là, qu'on a accueilli 80 élèves environ. Aujourd'hui, il y a 189 élèves. Mais l'école là a une capacité pour y accueillir 400 élèves. L'école a construit sur un espace de 2500 m². Le bâtiment a 10 salles. Qui est divisé en deux salles préscolaires, 6 classes pour deux premiers cycles, et 2 salles pour administration. L'école a gagné tout 2 blocs sanitaires, un espace pour gardiens, un réservoir qui a une capacité de 10 000 gallons, de l'eau avec diverses rampes pour faciliter le déplacement de monde qui a une infirmité. L'école a coûté l'État haïtien 49 747 447 gouttes 90 centimes. Majorité des ressources FNE gagnent. Qui permettent de réaliser le travail ça. C'est taxe $50, qui c'est contribution diaspora au transfert international. C'est peut-être ça. On a profité occasion ça pour une diaspora merci pour gros support ça liberté par petit pays dans 10 départements. Notre ressource FNE c'est l'argent qui collecté sous appel international. L'École nationale Jean-Baptiste Duty Bookman, c'est un premier pas. Reste travail là dans mes communautés Flaville. C'est pour ça qu'on a demandé aux communautés de l'école là pour lui faire une bonne gestion, dans tout sens, pour permettre que les gens jouent une bonne gestion de l'éducation, qui permet de devenir citoyen demain. Conséquent, pour aider les têtes à payer demain. On a demandé à chaque monde dans la localité de Flaville, prendre responsabilité dans la gestion de l'espace là. On a demandé aux élèves de tout, pour qu'ils aient l'école là propre, protéger le matériel et puis bien gérer le patrimoine là. Nous-mêmes dans FNE, on a continué à travailler. Qui c'est supporter l'éducation dans tout pays, ça qui m'a connu à deux visions, qui c'est renforcer l'éducation, consolider la vie. Et on le fait encore, on a dit tout professeur, bonne fête, merci.